Voilà, on joue le 26 octobre à l'Americano. Alors attendez, vous avez joué le 15 septembre au Princeland. Hein, c'était joué le 15 le premier concert de Rolling Loud avec le Princeland. Ouais, non, mais on peut revenir vite fait dessus. Hein. Super scène d'ailleurs le Princeland. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de ce live, en partenariat avec le Princeland et canalg.net? Alors je pense que c'est une des meilleures scènes de Guadeloupe, si c'est pas la meilleure. Parce que ça va faire plaisir à certains. Oui, non mais après, dans les bars, si tu veux, et tout le monde est accueillant, mais je veux dire, le lieu se prête vraiment forcément parce que t'as pas de table assise, si tu veux, t'as pas de serveur, c'est vraiment le lieu qui t'accueille avec une grande scène. Et les gens viennent écouter un groupe de rock, donc ils sont en mode rock, en mode rouge, j'ai envie de dire, ils sont pas venus là pour manger une pizza ou voilà. Ils viennent là écouter du bon son, boire des bières, la scène un petit peu surélevée, etc. On a accueilli comme des rois de partout, mais je veux dire, ce lieu-là s'y prête vraiment à ça. Okay, ouais. Mais je pense que les gens qui sont venus aussi ont aimé et on va passer vraiment une bonne soirée rock avec vous et avec le Princeland. Donc bon, on regarde devant, comme on dit ici, donc regardez devant pour le prochain concert qui aura lieu le 6 octobre avec le groupe Nameless. Ferme la parenthèse. Donc là, Actu des Pain Dreadful, suite à la sortie de votre single Wake Up qui est sur toutes les plateformes digitales